pee doesn't seem so crazy right now. Ouais, si tu le faisais, tu tomberais malade et tu mourrais. Bienvenue, bienvenue, nous allons boire. C'est bien de se plaindre quand on transporte un bidon de 5 litres d'eau quand même. Franchement, c'est vraiment bien de se plaindre. Ah, dans tous les cas, bienvenue, bienvenue à tous. Nous sommes repartis pour notre excursion. Il fait encore nuit, what? Pourtant là, t'es fatigué. Mais on s'est réveillé en pleine forme. On s'est réveillé en pleine forme, mais bon, bref. Donc, résumé des épisodes précédents. Donc, nous avons enfin la cuisine niveau 5, nous avons aussi le tireur à l'arc niveau 5. Nous avons tué un ours, nous l'avons complètement dépecé. En plus, au con, il est allé se réfugier près de notre camp, donc c'était vraiment, vraiment parfait. On a sa peau, elle est en train de sécher, on a récupéré tous ses boyaux, ils sont en train de sécher. On a récupéré toute sa viande aussi, c'est pas en train de sécher, mais c'est pareil. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On a énormément, je crois qu'on a, je sais pas, 10 000 calories qui traînent à l'extérieur. Et du coup, on a cuisine niveau 5, donc du coup, on n'est plus intoxiqué ou à un risque de parasite, donc on peut manger les loups. Tout simplement, on peut se balader et manger les loups, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va pas se gêner, évidemment. Donc, du coup, ce qui est bien, et franchement, ça, c'est vraiment bien, c'est que ça nous permet vraiment de se déplacer très facilement maintenant dans le jeu. À condition de... C'est quoi, ce bruit? À condition de... À condition de pas louper nos flèches, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, ça pourrait tellement être un jeu d'horreur. Donc dans tous les cas, alors la carte, elle est là. Donc j'avais dit que la prochaine fois, donc maintenant, je voulais qu'on aille se balader ici. J'ai pensé à ça. Alors on a aussi une autre solution qu'on peut aussi faire. Mais je pense que ça serait beaucoup moins intéressant et moins de choses à récolter. C'est que, alors si l'abri est là, là il y a le lac, à peu près. Il faut qu'on dessine, hein, il faut qu'on dessine vraiment. Ici on avait une sorte de rocher, et on a une corde hein, disponible hein, dans l'abri. On a un rocher, on peut mettre une corde et on peut descendre. Et là je crois qu'il y a une sorte de, enfin là, je crois qu'il y a une sorte de ravin. Le ravin je crois bien, alors si je dis pas de bêtises, hein, parce que je me rappelle plus vraiment. Je crois que... Il est après le pont, parce que là, si on continue, là, il y a un pont. Et on n'y est pas allé, la dernière fois, on n'y est pas allé. Alors, ah, peut-être qu'on pourrait y aller. On pourrait peut-être aller voir, vite fait. C'est pas très loin, il y a juste ça à faire, en fait. Juste ce chemin-là à faire. Et après, on va se balader ici. Enfin, voilà, je sais pas, il y a une sorte de ravin, j'ai l'impression, ici. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on peut y aller. Bon, le problème, c'est que si on doit prendre la corde, bah, ça va nous fatiguer. Ça va nous fatiguer. Je sais pas trop. Je pense quand même que la meilleure des choses serait d'aller explorer là. Parce qu'on va trouver les maisons et tout ça. On va trouver des habitations. Ouais, on va s'en tenir à notre plan. Hein. On va s'en tenir d'abord à notre plan. On va se balader ici. Donc on va voir si on a tout. Bon par contre on risque de pas revenir maintenant. On va risquer de rester plusieurs jours là-bas. Donc on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on prend un peu de bois? Je pense qu'on trouvera du bois en se baladant, donc ça va. On a le sac de couchage, on a des torches qui sont bonnes. On a des flares. On va manger ça. On va manger ça aussi. Voilà, très bien. Les vêtements, ils sont bons, il n'y a pas de problème. On a ça aussi. On est un peu lourd, hein. On est à 35 kg sur 40. On est un tout petit peu lourd, je trouve. Là, le problème, c'est les litres. Ouais, c'est surtout les litres. Ouais, non, ça va aller. On va se débrouiller. Bon. Fait toujours... Bon, on n'a qu'à partir maintenant, honnêtement. S'il fait un bon... Un bon temps. Là, on a, là, ça c'est en train de sécher. On a qu'à partir maintenant. Hein. S'il fait bon temps, on y va.
Mais bon, j'ai pas l'impression, voilà. Entre vous et moi, je n'ai pas l'impression. Pas du tout. Pas du tout, il fait très froid. C'est bien. Eau potable, eau potable. Du coup, le faitout, on garde. Le faitout, on va pas le garder. On va prendre juste ça. Ça, on le laisse là. On va prendre le charbon. On doit en avoir, ouais, 24. Faudrait qu'on puisse... on peut faire ça. Et comme ça. Voilà, ça va plus vite. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait prendre les feuilles... les plumes. Je pense pas. Du coup, on a 7 litres d'eau. On va en déposer. Très bien. Très bien. On va... Okay. On va rentrer. Ça sert un peu à rien de vouloir forcer l'extérieur, là, j'ai l'impression, parce que de toute façon, il n'y a pas... Enfin, il fait froid, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour passer le temps? Est-ce qu'il fait assez... Il fait peut-être assez jour pour lire une heure. Non, c'est trop sombre. Ouais, non, il n'y a pas encore les branches du soleil. Enfin, elles arrivent là bientôt, donc on n'a pas grand-chose à faire, honnêtement. On n'a pas beaucoup de temps à attendre. Désolé, je sais pas trop quoi dire, hein, parce que bon, là, on attend juste le temps que... Voilà, hein. On attend que le temps passe. On n'a qu'à faire ça. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non. Okay. Faut que je prenne l'habitude, enfin que je reprenne l'habitude de manger comme ça. Enfin par le menu rapide. J'ai perdu l'habitude d'utiliser ce menu rapide. J'utilise maintenant vraiment que pour... c'est vraiment juste pour... Pour faire du feu à la limite. Voilà, deux gros steaks. Bon, allez, on va se balader parce que de toute façon... J'ai l'impression qu'au final on n'arrivera nulle part. On va jamais partir en fait. Donc, allez, on y va. Ça commence à se réchauffer un peu. À la limite, on fera des pauses. Et on fera du feu et tout. Et on a des tisanes. On les fera cuire. Enfin, les fera bouillir. Là, le temps s'améliore un peu. Il n'y a plus que deux flèches maintenant. Bon, par contre, on a un temps pourri. Hein. Bon, la zone n'est pas très grande. Donc, c'est pas très compliqué. On ne devrait pas se... se perdre. Ok, il est là, lui. Il est là. On devrait voir le pont bientôt. C'est vrai qu'avec cette brume, on voit pas grand chose. Ok, très bien. T'es loin ou t'es prêt? T'es méga loin, mec! T'es méga loin! Tada! Je sais pas s'ils peuvent venir nous prendre normalement, mais... Eh ouais, tu peux pas passer. Ah, est-ce que je peux... Merde. Je voulais voir si on pouvait lui mettre une flèche dans la tête.
à travers. Ça m'aurait fait marrer, ça. Ça m'aurait fait légèrement marrer. Bon, par contre, on a froid, il faut qu'on se réchauffe. S'il fait pas très froid, donc du coup, autant rester en bonne condition. Bon, on a un temps pourri. Ouais, non, on va peut-être pas faire de feu. C'est vrai que faut penser au fait que les allumettes, hein, ça court pas les rues non plus. Je commence à faire du feu tout souvent. Sans vraiment trop réfléchir. Donc, c'est plutôt sympathique ici. Plutôt beau. Alors là-bas, il y a un chemin, mais nous, on va... C'est un cadavre, c'est une carcasse, ou c'est juste des corbeaux qui passent. Ouais. C'est là-bas qu'on veut aller. C'est où il y a les cris. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Ça doit être là. Genre, il y a une pancarte, là. Par contre, faut qu'on se réchauffe, parce que j'ai pas trop envie de perdre beaucoup de vie comme ça. C'est là, on a la maison, là. Mystery Lake Lodge. Je le vois pas. Ok. Ok, on va passer sur le côté gauche. On va aller à la maison. Avant de fouiller, on va juste aller à la maison. Faire camp à la maison. Ok, là il y a des champis. Plein de champis. C'est quoi? C'est la peinte qui est devant moi? Ouais, c'est la peinte. Il y en a plein. Ah, par contre, il va peut-être attaquer le lapin. Le lièvre. Ok. Ok. C'est à moi. Il a eu peur, ce con. J'allais lui mettre une... Ok, c'est bon, on est rentré. J'allais lui mettre une flèche. J'allais lui mettre une flèche, mais au final... Tada! Pavillon de chasse. Alors... Le pavillon de chasse. On va peut-être mettre ça là. On va poser ça là, très bien. Donc on se réchauffe. Ouh, il fait chaud, chaud, chaud à l'intérieur. Très bien. Est-ce que on a besoin de... On peut recycler tout maintenant à la main. Une heure. Pourquoi pas. Enfin, on recycle tout. Ah, très bien. Donc on va déposer ça. Ça. Apparemment... À l'extérieur, on a un temps pourri. Et on a un lapin qui fait 430 calories. Voilà. On va pas faire un feu maintenant. Alors, on a beaucoup de tissus à prendre. Donc, bienvenue. C'est le manoir dont je parlais. J'appelle ça un manoir. C'est pas vraiment un manoir, honnêtement. Mais c'est assez grand. Et il y a pas mal d'objets. Enfin, il y a des chances d'avoir des bons objets. Et il y a beaucoup de tissus. Donc je crois qu'on va passer un long moment à prendre le tissu, à tout déchirer. Mais voilà, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Ouh, des allumettes. C'est vraiment pas loin d'où on était. Donc c'est bien. D'abord on fait le tour, on regarde les objets à récupérer. Et après on commencera à... genre le tissu, des trucs comme ça. Ça. Très bien. Déjà, on a un fait tout en plus. C'est cool. On va pouvoir le ramener à l'abri.
c'est vraiment bien. Ça c'est bien. Puis après c'est pas méga méga dangereux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de rochers et tout pour essayer de se défendre contre les loups. Donc c'est pas très... Ça va quoi. Excusez-moi, j'étais en train de remettre mon casque. Ah oui, et on peut sortir par l'arrière aussi. C'est bien. Cuisine nature. C'est pourquoi ça? Compétence de cuisine. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de moi? On a passé du temps. Rien que pour ça, tira dans le feu. Rien que pour ça, tira dans le feu, le livre. En plus, c'est un livre à 10 heures, quoi. Donc, il nous donne énormément de niveaux, hein, que je veux pas dire. Ah, par contre, je sais pas si c'est moi. J'ai du mal à voir dans cet endroit, dans cette cabane. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des endroits sombres. Et je sais pas, mes yeux veulent pas voir. Donc, si je loupe des trucs, je suis désolé, mais... Ah oui, il y a aussi pas mal de planches au centre et tout, et c'est pas très dur à les à récupérer pas mal de bois. Genre par exemple 6 bois de récupération en 40 minutes, c'est vraiment beaucoup de bois. Bon après ça utilise la hache, hein, vous pouvez pas le faire à la main. On va déjà regarder en bas. Ah là, peut-être qu'il y aura du bois. Ok, ou pas, c'est bien. Honnêtement, je serais plus heureux d'utiliser une lampe pour fouiller cet endroit. Parce que j'ai du mal à voir les choses. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Mais bon, ce serait du gâchis. Puis de toute façon, on n'a pas de lampe. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé grand chose. Bon, si, les allumettes, c'est bien. On va trouver un peu de nourriture. Si c'est pas à 0%, on bouffera. Ah, fer à cheval. Vous les mettez comment, les fers à cheval, si vous décorez votre maison avec un fer à cheval sur le mur? Vous le mettez comme ça? Ou vous le mettez comme ça? Dans quel sens? Genre ouvert vers le haut ou ouvert vers le bas? Oh! Ça, c'est bien, ça. La drogue, c'est bien. Dans les jeux vidéo, ok? Les jeux vidéo. Bon ben. Ah, le truc c'est qu'on... Là on a des objets... Bon à part les allumettes... Oh. Je me fais attaquer par ça. On a des objets... Genre à part les allumettes, c'est pas des objets vraiment... Genre même le stimulant. Le stimulant c'est bien, hein. Mais bon, je préfère jamais en avoir besoin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait d'en trouver encore un nouveau, bon bah on en a 3 quoi en tout. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Je préfère d'avoir grand chose. Un peu déçu. On a fouillé ça. Ouais, non, un peu déçu. Maintenant, il y a l'étage au-dessus aussi. On va fouiller là. On va peut-être aller aussi chasser le loup qui est autour. Et les faire cuire et tout ça. Un livre. Comme ça, on aura de la nourriture. Ici. Parce qu'à la limite, j'aurais bien voulu garder les gros steaks d'ours. Mais bon, dans un sens. C'est vraiment le bordel ici, par contre. Donc, faut faire les tissus. Les tissus, on le fera avant de dormir. Parce qu'on peut dormir ici, il y a un lit. Hein. Donc, on peut aller dormir. Il faudra. On ira déchirer les rideaux et tout ça avant d'aller dormir. Très bien. On est tout là. Voilà, on l'a déjà fait ici.
Ah, une corde. Ok, ça c'est bon. Ça c'est plutôt bon. C'est un objet rare. Il y a un coffre. Non, rien sinon. C'est une corde, ça nous en fait une deuxième de corde. Là. Je faillis passer à côté de la vitrine. Ouais, d'accord. Passer à côté ou pas, ça revient même. Bah voilà. Bah honnêtement, c'est pas fameux. Ouais, c'est pas fameux. On va sortir par l'arrière. Ouais. Tout petit peu déçu quand même. Tout petit peu déçu. Ok. T'es loin. Voilà ça. Par contre, il m'embête, c'est le con. Pas extrêmement froid. Ah, il m'a lâché. Ah, tu crois qu'on est bien là? Qu'on est en sécurité en fait? Ok, bon bah tant mieux. Tant mieux, qu'est-ce que je te dise, monsieur le loup? C'est bien, casse-toi. Bah j'ai rien vu. Par contre, tu m'embêtes un peu. Bien joué. Très bien joué. Et les voitures à prendre. Oh, c'est un caillou pour... Ah, yes, yes, on peut directement descendre. Yes. On va installer la corde. On va aller installer la corde. Donc du coup, on pourra directement descendre là. Et je crois bien que c'est... Il faut qu'on dessine aussi. On a mis où la corde là-bas. Et je crois bien qu'après, on est directement où... frappe. Vous vous rappelez où on a vu l'ours pour la première fois? Bah c'est là. Je crois, c'est dans ce périmètre en fait. Donc ça c'est cool. J'aurais dû sortir avec l'arc. Pour pas qu'on ait de surprise. Parce que j'ai vu d'autres loups là-bas. Bon, on est bon. À l'abri du vent. Parfait. Parfait. Ce qu'on va faire avant... Ouh, on a pu passer, c'est bien. Trop fan de l'endroit. Hmm.
On a sauté en arrière, on a tiré une flèche. Pas beau ça. Ah, on peut utiliser la scie. Okay, très bien. C'est juste pour avoir de la viande à cuire. Parce que vu qu'on va aller rester un moment... Enfin, on va rester un moment, on va... Oui, non, on peut rester un moment, oui. Oui, oui, non, on peut complètement le faire. Oups, c'est pas celui-là que je fais. Alors, on peut faire ça aussi. Voilà, très bien. On va fouiller les voitures et tout ça. Alors honnêtement, je dirais de prendre plus de viande parce qu'il fait pas froid. Mais c'est ça me saoule un peu. J'ai pas envie de passer mon temps là à récolter de la viande. Donc on va avancer. On va juste fouiller un peu. Ah, et on a les champignons aussi à prendre. Il y a aussi les champignons à prendre. Bon ben voilà, ça se passe nickel. Hein. Ça se passe nickel. Et vous voyez qu'on est, on est beaucoup plus relax en fait. On est beaucoup moins embêté par tout ce qui est nourriture. Parce que bon, des loups, bah, y en a plein partout. Et du coup, là, on chasse le loup, quoi. On chasse vraiment le loup à la limite pour manger. Donc c'est beaucoup plus cool. C'est honnêtement beaucoup plus cool. Enfin, pour moi, c'est vraiment plus simple. Pas besoin de faire de réserve. Rien du tout. J'ai cru entendre un truc marcher. Pas besoin de réserve, rien. Ah, c'est un cerf ça, non? J'ai peut-être envie de prendre la peau du cerf par contre. Là on va risquer d'avoir froid par contre. Ah non, ça va. Et le vent se lève. Le vent se lève mais il fait pas encore méga froid. On va... J'ai cru voir des choses bouger. C'est bizarre. On va refaire ce chemin-là. Il y avait plein de champignons à prendre. C'est bizarre, le vent elle, se lève, mais... C'est pas froid, quoi. Non, elle est tranquille. Faut déstresser, on est tranquille, tout va bien. C'est quoi ta paroi là? Un caillou? Ouais, c'est un caillou. On va faire du feu, on va faire toutes les tisanes aussi, pourquoi pas. On aurait pu prendre le faitou et ça nous en ferait deux. On pourrait faire plein d'eau d'affilée. Je sais pas si on va le... Ouais, on va le prendre avec nous, le faitou. On va laisser les boîtes de conserve, là. Et on va prendre le faitou, comme ça on le mettra à l'abri, ça nous en fera deux à l'abri. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Oh la vache, on a plein de...
On a plein de tisanes. Je suis en train de me dire, c'est peut-être mieux de les garder, les champignons. Faudrait que je regarde le poids, en fait. Regarde le poids. Très bien. On va rentrer. C'est bon, on rentre. On va déposer tout le bois qu'on a et on va genre déchirer un rideau, genre deux, pour se réchauffer. On a aussi la peau du cerf. La peau du cerf, je l'ai prise et que, encore une fois, c'est pour les vêtements. C'est pour les réparer ça. C'est pour réparer ça avant qu'on parte d'ici, si on peut. Si on peut. Ok, très bien. On va faire ça. On va se réchauffer un peu. Et après, on ressort récupérer... du loup. Ah, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les peaux de loup ou pas? Est-ce que c'est vraiment utile de prendre les peaux? Je suis pas trop sûr en fait. Ah, on a chaud à l'extérieur, mais... Ah, vous croyez qu'ils nous sentent d'en bas? Vous croyez qu'ils peuvent nous sentir d'en bas? Peut-être possible. Ok, on se casse. Bon ben voilà. On va pouvoir faire à manger tout ça. Passer un bon moment. Cet endroit est pas mal parce que là on est en pleine nuit. Hein. Normalement on devrait rien voir. Mais au final on voit bien. Honnêtement, c'est pas... Ça va quoi. Ça va vraiment. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que c'est... Ça c'est 75. C'est vrai que c'est bien d'avoir des tisanes de côté, de prête. Mais je suis en train de me dire, peut-être qu'on va en trop en avoir. Et du coup, ça va être un peu... Ça va un peu biaiser le fait d'avoir de l'eau sur nous en même temps. Parce que c'est lourd après les tisanes quand même. Hein. C'est à chaque fois... Ça s'accumule, quoi. Mais ça, c'est de l'eau, du coup, qu'on ne va pas vraiment boire. Qu'on va boire vraiment si on en a besoin. Donc dans un sens, je suis en train de me dire, peut-être on va les préparer les autres, les machins là, mais on va les laisser. On va pas les faire cuire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai été clair dans mon explication? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Voilà. Par contre, elle est fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait à manger maintenant ou on attend? On fait à manger maintenant. J'ai faim.
très bien. Faire du feu. Oui, parce que je suis en train de me dire, parce que si on, imaginons qu'on a que des tisanes en fait. Vu que maintenant le côté calories c'est plus un problème, du coup on va souvent manger. Donc on n'a plus vraiment besoin des tisanes pour les calories. Mais les tisanes, c'est bien pour réchauffer. Donc du coup, il faudrait les garder de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment les utiliser pour... si vraiment on en a besoin. Lapin cru. Putain, on voit rien du tout, quoi. J'ai l'impression qu'il fait encore plus sombre à cause de la lumière, c'est abusé. J'aurais pas dû déposer les choses. Je crois que c'est bon. Ah voilà, c'est bien ça. Vous voyez, parce que là par exemple, là c'est un bon exemple, là c'est 250 calories, mais ça donne de l'eau. Et les 250 calories en fait c'est pas assez, c'est pas utile vraiment. Genre 120 calories c'est pas utile. Mais par contre ça donne de la boisson. Donc du coup, vu qu'on boit souvent, on va être obligé d'utiliser beaucoup de tisane. Donc dans un sens c'est pas vraiment intéressant. D'avoir que des tisanes sur nous. Pour moi, c'est ça la logique. Pourquoi elle gémit comme ça ? Elle est fatiguée ? Voilà. Tu vas nous faire de l'eau. Bon, je regarde s'il y a autre chose. 30 minutes, très bien, donc on va faire ça, on va les préparer. Ça sera prêt. Ah. Ah non, il n'y a rien d'autre. Ah, très bien. On va voir un peu nos calories, comment elles sont. Ouais, c'est bon. On va déposer ça. À l'arrière. Ah, je sais que c'est noir, c'est sombre et tout. Voilà. On va déposer la viande à l'extérieur. Genre là, c'est pas mal. Pas très froid, encore une fois il fait pas très froid, on pourrait se balader et tout ça, on va pas le faire mais on pourrait le faire. Ah oui, du coup on pourrait faire de l'eau avec ça. On a d'autres, ah, celui-là tu le manges. Ok. Voilà. Je sais pas si l'eau va survivre dans les canettes. Enfin les canettes,
Ah si, ça va, ça passe. Potable, potable. Prêt dans 2 minutes. Ça s'est fait, ça s'est fait, on le garde. On a encore 1h20. On a beaucoup, hein, beaucoup de champignons et tout ça. Le vent s'est levé, s'est arrêté, s'est relevé. C'est ce qui vient de se passer. Ok, donc ça c'est prêt. Donc on a 7 tisanes, c'est 35. Ouais, c'est mieux. Ouais, ça on les garde. Donc après il y a ça. On a combien? On peut en faire que 2, ça va. On va aller dormir. On bouille dans 9 minutes. On va qu'à mettre ça comme ça. On va déposer de l'eau parce qu'on doit en avoir plein. Ouais, on a 9 litres. Voilà. Je crois que c'est pas mal là. On va attendre que ça s'abouisse. On va prendre l'eau. Et du coup on va après aller dormir. Et je sais pas trop ce qu'on va faire. Oh, on n'a pas trouvé de vêtements. Je suis un peu dégoûté honnêtement. On n'a pas trouvé de nouveaux vêtements. On n'a qu'à aller se balader après autour du camp, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. On va finir ça, mais quand on sera à l'étage. Ok, très bien. Maintenant, on va dormir. Alors il faut une torche à chaque fois pour monter, parce que c'est très très sombre en haut par contre. Très très sombre. On n'a rien loupé, hein. On a vraiment rien loupé. Je suis un peu dégoûté de pas être tombé sur un vêtement ou deux. Ah oui, il faudrait aussi récupérer les rideaux, c'est vrai. Il faudrait aussi récupérer plein... Enfin, faudrait déchirer tous les rideaux en fait, honnêtement. Pour récupérer le plus de tissu possible et le ramener, potentiellement le ramener. Voilà. Ah, très bien. On a ça, on va le faire. Et on va dormir. Voilà. Dors 10 heures, elle va pas être en pleine forme, je crois. Et puis en plus, c'est un peu le minuit, quoi. Donc c'est un peu tard, honnêtement, pour dormir. Mais bon. Ah là, elle a vraiment dormi les 10 heures. Ah, ça va, ça nous a permis de récupérer toute notre vie. Donc... Allez, on y va. Bah ça se passe bien, hein. Ça se passe très bien. Donc on va aller se balader vite fait, voir un peu ce qui... Eau non potable. Eau non potable. On a combien d'eau non potable? Ouais, 0,50 du coup. D'accord. Du coup on va prendre une bouteille de plus.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attendez que je réfléchisse 2 secondes. On a ça qui sèche, on a un peu de bois, on a de l'eau. On va prendre ça avec nous. On va prendre ça avec nous. Je voulais pas prendre l'eau, ça fait chier. C'est pas grave, du coup on la prend l'eau et puis on la fera chauffer. C'est 0,15, ça c'est 1 kilo. C'est bien comme ça. 2. Le faitout, on le laisse pour le moment. On est à 37 kilos. 37, beaucoup quand même. C'est beaucoup. Ah, le tissu. Donc on a 2 kilos de tissu aussi. Voilà. Ouais, va falloir qu'on récupère tout le tissu. Bon, ou on le laisse là, ou on l'amène à l'abri. C'est l'un ou l'autre. C'est pas très loin de toute façon. Fait froid? Ouais, fait froid. Je voulais un peu me balader, moi. Ah, on n'a pas pris à manger. On n'a pas pris à manger. On va voir s'il y a quelque chose. Genre, nous on a pris ce chemin là, on va aller dans les montagnes là. Voir s'il y a des choses intéressantes. Peut-être encore des champignons et des trucs comme ça. Peut-être. Oh, brouillard aussi. T'es sérieux là? C'est pas un blizzard ça? À voir qu'on rentre. On rentre. Il y a encore un carcasse de cerf. T'as quelque chose pour moi, bro? Ouais, on va devoir rentrer. On rentre. C'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Je suis pas complètement rassuré ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est le coup que ça se passe bien en fait, ça me... Là par contre, j'ai pas intérêt de me louper. Non, c'est bon, c'est là, c'est là, c'est là. J'ai pas envie de rester bloqué à l'extérieur. Quoi ce bruit? Des fois j'ai l'impression d'entendre des aboiements et tout, pendant le vent. Bon bah, on va passer le temps. On passe le temps. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc ouais, comme je disais, vu qu'on a mis la corde, on va regarder la map vite fait. Alors on a mis la corde. Donc la corde, elle est là. Donc on descend, ça c'est la, voilà, la cachette de chasseur, là c'est le petit cabanon là en hauteur. Là c'est où c'est qu'on avait rencontré l'ours, ça c'est le pont. Donc nous on a fait ça en fait. Alors on a fait ce chemin-là. On a vu qu'il y avait un autre chemin qui passait par là, donc là faut qu'on explore aussi. Faudrait pouvoir qu'on dessine sur la carte, ça serait vraiment bien.
Et du coup, non, on peut revenir directement au à l'abri. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc ça nous évite de faire le tour comme ça. En fait, là, ça va directement au pavillon. Ça nous fait gagner un peu de temps, on va dire. Ça nous fait gagner un tout petit peu de temps. Le temps a l'air d'être bien pourri, hein. Je veux pas dire, mais il va pas boire de l'eau. De l'eau impure, parce que sinon. Bon, ça va mal finir. Mais ouais, le temps a l'air d'être bien pourri, je sais pas ce qu'on va faire. Bah, je crois que la réponse est on va rien faire. Je crois qu'on va rester. Bon, par contre, cette eau, je vais l'enlever parce que j'ai peur de la. Attendez, on peut pas la mettre si c'est pas allumé. On va la jeter. Ça, elle me stresse, cette eau, en fait. Voilà, on va qu'à la mettre là. De la voir dans le menu et puis elle est en premier à chaque fois. Je sens qu'à un moment, je vais la boire sans faire attention. On peut prendre des tissus. Je crois que on va. Ce qu'on va faire, c'est récupérer tous les tissus et dormir après. Je crois que c'est ça. Vu que toute la journée, c'est genre tempête, c'est genre blizzard. Ça y est, ça se calme. J'ai rien dit. Ah, c'est le temps, il nous fait les feintes. Des fois, il se calme un tout petit peu et on pense que ah, c'est bon, c'est passé. En fait, pas du tout. Ok, on a retiré tous les tissus d'ici. On va déposer ce qu'on a. Oh la vache, tout ce qu'on a. Putain, c'est énorme. Vous avez vu un peu tous les tissus qu'on récupère? C'est vraiment bien. On avait pas des caisses à casser en bas? Genre pour faire du bois. 2 heures, ouais, non. Oui, de toute façon, on reparle encore du temps incroyable pour casser une chaise. Alors que les caisses à la main, ça passe. C'est moins long. Y a rien, hein. Il n'y a pas de choses intéressantes. Genre casser des choses à la main, je parle. Il y a peut-être le tabouret, mais ça m'étonnerait. Là, c'est pareil, les chaises, à chaque fois, c'est 2 heures. Ça, il faut la hache. Il faut la hache obligatoirement. Ouais, ici, c'est vraiment pas top. Ici, c'est quand même vachement embêtant pour récupérer le bois. Alors que dans l'abri, vous avez vu, on avait plein de caisses, on les a détruites à la main, c'est 1h30 à peu près. Donc là, ça passe, mais ici, non, ici, c'est la merde. C'est que des choses avec la hache la plupart du temps. Ah, 1 heure. C'est 1 heure, c'est juste 1 heure et c'est 3 trucs. Ouais. Ah non, les tabourets, ça va là. J'ai rien dit, les tabourets ça passe. C'est pas le meilleur, mais ça passe. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dehors s'il fait beau. Je serais très étonné qu'il fasse beau, mais. C'est vraiment cool de manger tout comme ça. C'est vraiment sympa. Genre on n'est jamais affamé maintenant. On aura toujours
En théorie, si on se débrouille bien et tout, que tout va bien, on aura toujours 40 kilos. Un maximum de 40. Ah, il fait pas froid. Oh, let's go. Ah mince, ça va faire presque une heure qu'on joue. Ah, je couperai peut-être la vidéo en deux. Mais j'ai envie de me balader. Donc on se balade. Parce que normalement, vous avez vu, j'ai pris l'habitude de faire à chaque fois une heure. Et à chaque fois une heure, enfin, je m'arrête en fait à une heure. Parce que j'aimais pas trop, genre, couper en plein milieu de l'action. Parce que des fois, je faisais des sessions de 2-3 heures et après, je les coupais. Mais bon, ça coupe un peu l'action du coup. Donc j'aimais pas trop faire ça. Donc maintenant j'ai pris l'habitude de faire juste des sessions d'une heure à chaque fois. Mais là... Je veux pas dire, mais là ça se passe bien. Là on a un beau temps. Ça va peut-être pas durer. Hein. Alors... Oh, du bois là-bas. Bon, on passe par en dessous. Oh, c'est des lapins. Okay. J'entendais des petits pas, je me suis dit c'est du lapin ça, j'étais pas sûr. Ah, je crois qu'il y a un autre cerf. C'est un cerf ça. Et là nous avons une grotte. Est-ce qu'on prend des lapins? Je suis en train de me demander, est-ce que ça nous sert à quelque chose? Je suis pas trop sûr. On va regarder la grotte s'il y a des choses à l'intérieur. Ouh. Oh! Fire Steel, t'es sérieux? Ah ben putain. On peut se réchauffer là. Pas mal, pas mal, pas mal. On va se balader encore. Hein. Honnêtement, tant qu'il fait pas froid, on continue. Je vais être honnête. On n'est pas en surpoids. Bon, il fait presque nuit, donc on va devoir faire demi-tour à un moment ou à un autre. J'imagine. Mais elle n'est pas très fatiguée. On n'est pas affamé, on n'a pas soif. On a de la réserve sur nous. On a du bois maintenant, on peut faire du feu. Donc, tant qu'on est bon, on continue. On va peut-être un tout petit peu sprinter pour aller plus vite. Parce que c'est vrai qu'il fait bientôt nuit et on peut dormir du coup. Oh, il n'y a pas un morceau de bois là? Ah, par contre, il y a du vent.
Ok, le vent commence. Okay, très bien. Un pont. Ça fait beaucoup de carcasses de cerf. Où est-ce qu'on est? Ça serait dans ce stade. Où est-ce que nous sommes? Que nous sommes. Ah, on va devoir commencer à rentrer. Ah, on n'est pas en hauteur en fait par rapport à la. Là, c'est le pont. Ah, on est revenu vers le camp en fait. Donc là, on est plutôt vers l'abri plus qu'autre chose. Je crois. Je crois. Ouais. On va voir où on atterrit. Par contre, faudra se cacher du vent. J'ai un peu peur qu'on tombe sur des loups ou des conneries comme ça. Genre, là, on dirait... Je suis pas sûr. Je dirais abri de ce côté-là, mais je suis pas totalement sûr. Si, si, c'est là, c'est bon. Ouais, l'abri, il est là-bas. Par contre, on est loin. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à l'abri. Non, je me suis bloqué. Putain de merde. Un lapin. J'ai l'impression que ça venait de la droite en fait. Oh merde. Ça venait bien de la droite. Il y a un sac là. On est bien de retour. Ah, ok, l'abri est sur la gauche là. On est bon. On va rentrer à l'abri. Genre pas, on va pas se mettre à l'abri, on va à l'abri hein, de maintenance. Ok, donc on est tombé en plein milieu de deux loups. Un, il avait bouffé un lapin. Et c'est bien, c'est pour ça, on l'avait vu sur la gauche, partir sur la gauche, lui qui nous chasse là. Et après j'ai entendu... Un lapin se faire bouffer sur la droite, et en fait, c'est parce qu'il y avait un autre loup. Ok, on est bon. Ah bah au final, on va pouvoir s'arrêter là. Pouh.
Ouh la vache, c'était une aventure, c'était une aventure. Du coup, bah du coup on revient un peu bredouille. On revient un tout petit peu bredouille. Faudrait y retourner, aller récupérer les tissus et tout ça. Bon, on a du bois. On va le mettre là, le bois. Quand je dis bredouille, honnêtement, c'est faux. Mais... C'est bon. Ça aussi, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ramené en fait? Du coup, ouais, on a laissé le faitou là-bas. Alors est-ce que c'est un problème de laisser le faitou là-bas? Je sais plus combien on en avait au camp. Je sais plus si vraiment on a besoin d'en ramener un. Je suis en train de réfléchir quand on partira, parce que là je crois qu'on a fait un peu le tour de l'endroit, donc on va sûrement partir à un moment. Ah, il y a le livre. On va poser le bois à l'extérieur. Non mais ça va, on a bien fait les choses, on a bien avancé. Ouais, honnêtement on a bien fait les choses. Le bois on va le mettre là. Très bien, un petit bois ici. Voilà, on a des allumettes ici en plus. Le livre de la cuisine. On va le mettre là. On a une corde ici. Ah, mais du coup, ça veut dire que cette corde, on va pouvoir la mettre sur le côté là. L'utiliser. Et donc, parce que vu qu'on vient de mettre celle-là, nous on va pouvoir mettre l'autre ici. Donc la corde, faudra la placer. Je vais la mettre par terre, comme ça j'y penserai. Ça, on le garde. On va prendre du charbon vite fait, parce qu'on a quand même beaucoup dessiné. Okay, très bien, comme ça. Et du coup, là, on a cuir. Tissu un peu, on a les plumes. On a les bois qui sont bientôt prêts. Je sais pas si on prendra les bois avec nous ou alors on en fait des flèches genre maintenant. Enfin des fûts de flèches. Mais je crois qu'on va les prendre avec nous, les bois. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on va faire la prochaine fois, honnêtement. Je vais être honnête, je sais pas quoi faire la prochaine fois. On retournera à la maison. Ou alors on va explorer avec la corde. De toute façon, il n'y a rien de très intéressant là-bas. On n'a rien laissé de... Il n'y a que le tissu hein, qu'on peut aller chercher. Mais honnêtement, il y a beaucoup de tissu. Donc je sais même pas si ça vaut le coup d'aller vraiment tout récupérer. Peut-être. Ouais, peut-être si on monte et on descend avec la corde, ça ira vite au moins. Bon, par contre, il y a du loup sur le chemin. Mais ouais. Mais ça y est, on arrive à la fin de cette zone, honnêtement. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Comme j'ai dit, bon, c'est bien. La bonne chose, c'est qu'on a récupéré beaucoup de nouveaux bois, là. Donc, on peut faire des fûts de flèches. Je crois qu'on a eu, quoi, deux de chaque. Donc, c'est deux arcs et deux fûts de, et deux fois trois fûts de flèches. Donc c'est tranquille. On va faire ça. Donc ça c'est bien. Après, comme j'ai dit, on a fait le max de tissu. À la limite, ce qui pourrait être bien, c'est que on... La prochaine fois, c'est ce qu'on va faire. On va rentrer. On va retourner là-bas.
On va utiliser autant de tissu nécessaire. Il y a une aurore boréale ou pas? Non. Autant de tissu nécessaire pour tout rafistoler, tout ce qui utilise du tissu. Parce que il y en a plein de toute façon. Je crois qu'on va faire ça. Et après, on va en récupérer un peu, genre une vingtaine ou une trentaine. Et on va les amener à l'abri. Et si jamais on a besoin de tissu encore plus, ben on reviendra ici. À la cabane qui est en hauteur. Mais je pense qu'on va tout rafistoler avec le tissu en fait. Je crois que ce serait une très bonne chose à faire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. On a trois... On a ça. On a un hameçon. Je crois pas qu'on ait du fil. On a un hameçon par contre. Bah, de toute façon on a du métal et on a des boyaux. Donc on peut faire du fil. Donc c'est pas un problème. Donc on utilisera tout ça. Ouais, je crois qu'on va faire ça la prochaine fois. Le sac de couchage aussi, on a qu'à le rafistoler. Mais ça va nous prendre toute la journée. Honnêtement, on va rester sûrement coincé à la maison là-bas. Enfin, vu qu'on, de toute façon, vu qu'on va prendre la corde, on va se fatiguer. Donc, à la limite, c'est... On dormira là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça a l'air pas mal, ça. C'est, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne... C'est un bon truc à faire. Voilà, ce sera tout pour cet épisode du coup. Et on continuera la prochaine fois. Ce sera retour à la grande maison là. Faire le tissu, rafistoler les choses. Et après... Après comme j'ai dit, peut-être qu'on fera le coup de la corde. Et on ira dans la sorte de ravin. Voir s'il y a des objets à récupérer, des choses intéressantes. Et puis sinon, bah on partira quoi. Ouais. On restera encore peut-être 2 épisodes ici, je dirais. Pas plus, pas plus. 2 épisodes. Puis après, on rentre au lac mystère. Ouais, ça sera, ça en fera comme ça. Ciao!